Yes! Succès! Allô YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu des équipements de sécurité. Je commençais une série et je vais parler du feu à bord. Je devais filmer cette vidéo hier, j'étais à Singapour, mais j'avais des yeux avec des poches énormes. J'étais tellement fatigué, j'ai décidé de filmer ça à la maison. Vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage, bienvenue! Un des très gros risques qu'on a à bord, c'est en cas d'incendie, parce que lorsqu'on est dans les airs et sachant qu'il y a du kérosène un peu partout autour de l'avion pour faire voler l'avion, un incendie peut être très très rapidement un très gros danger et un risque fatal pour les passagers, pour l'équipage, enfin pour tout le monde. Donc on a une procédure qui est très très précise sur comment gérer le feu à bord. Je me suis dit que ça peut se transférer directement aussi pour la maison. Ça fait que je disais de vous partager cette procédure et vous pouvez l'utiliser si jamais y avoir un début d'incendie à la maison. Alors la manière qu'on a de fonctionner, c'est si on est trois. Effectivement, si vous n'êtes pas trois à la maison, c'est pas toujours évident, mais ça peut vous donner des bons réflexes. Le premier, c'est le A comme attaquant. Ça veut dire que c'est la personne qui va découvrir le feu, qui va attraper immédiatement l'équipement de sécurité le plus proche. Dans l'avion, on est chanceux, on a des extincteurs. Hey, au style oiseau. On a des extincteurs un petit peu partout dans la cabine, ça fait qu'on sait immédiatement où se trouve l'extincteur le plus proche, on va l'attraper et on va commencer à attaquer le feu. C'est un équipement que je vous conseille d'avoir dans votre maison si vous n'avez pas déjà un extincteur. Vous trouvez souvent dans les magasins de bricolage, c'est pas très très dispendieux et c'est valable pendant des années. La deuxième personne, c'est le B, donc on a déjà le A, le B qui va être votre backup. Donc lorsque vous allez appeler de l'aide, le backup va immédiatement aller chercher un autre équipement de sécurité. Le deuxième que vous pourriez avoir à la maison, ça va être une couverture anti-feu, même chose, ça coûte une dizaine de dollars, c'est toujours bon à avoir. Nous, dans l'avion, c'est quelqu'un qui va se munir de gants anti-feu, qui va mettre aussi ce qu'on appelle un smoke hood, un casque anti-fumée, et qui va prendre un deuxième extincteur, qui va être amené à pouvoir nous remplacer rapidement dès que l'extincteur sera vide. Donc on va amener plus d'équipements. Le backup à la maison, je vous dis, va être la personne qui va chercher un autre équipement. Si jamais votre incendie vient avec un début d'un incendie électrique, c'est la personne aussi qui peut aller immédiatement au compteur et arrêter le breaker pour qu'il n'y ait plus d'accès d'électricité. La troisième personne, c'est la personne qui va communiquer. En cas de besoin, c'est la personne qui va appeler les pompiers s'il y a besoin. Pour nous, ça va être la personne qui va être en lien avec le commandant de bord, qui va lui dire ce qui arrive, parce que lui ne peut pas quitter le cockpit, mais il doit être informé de tout ce qui se passe dans l'avion. Et donc, on va lui rapporter combien d'extincteurs on va avoir utilisé, quels sont les équipements, quelles sont les parties qui ont pu être endommagées. Et lui, de son côté, a accès à tous les breakers de l'appareil. Il va pouvoir donc couper l'arrivée d'électricité. Donc A, B, C, l'attaquant, le backup et la personne qui communique. C'est la manière qu'on a de fonctionner à bord, mais c'est la manière que vous pouvez aussi fonctionner à la maison en cas de début d'incendie. Une fois de plus, je ne le souhaite pas, mais ça peut toujours arriver, donc vaut mieux être prêt au cas où. Voilà, c'est le début d'une série. De temps en temps, je ferai des vidéos sur les équipements de sécurité et comment on les utilise à bord pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'on a pour votre sécurité à bord, mais aussi pour vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À bientôt, bonne journée, bye!